Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. Encore une fois, Greg Junior et sa maman se réveillent ce matin sur cette île, sur cette plage, dans ce monde un peu à l'écart, abandonné de tous, où d'étranges créatures à écailles se baladent de temps en temps à proximité. Qu'est-ce qu'il est bête à se mettre un truc dans l'œil! Mais bon! Attention, et hop, encore une fois! Non mais, mec, fais attention à ce que tu fais! Attention! 3, 2, 1! Dans les yeux! Non? En tout cas, il est très mignon, et aujourd'hui, dans Voyage Surprise, comme toutes les fois, eh ben oui, on a bien réussi, on va essayer de gagner en dextérité tout ça pour la petite Jessie, gagner des points, et faire en sorte que tout le monde arrive à vivre correctement dans cette petite baraque. On commence tout de suite l'épisode avec l'achat du jour. C'est cette fenêtre que je pose donc dans la salle de bain, si on peut appeler ça une salle de bain. J'ai rajouté 3 murs ici et 2 autres murs ici parce que j'ai cru comprendre que dans ce challenge, les toilettes, une fois qu'on en aura, eh bien, on ne peut pas les mettre où on veut. On est obligé de les mettre à l'autre bout du terrain, un peu à la Decade Challenge aux années 1880-1890. Donc pour l'instant, on est comme ça. C'est un peu pauvre, mais bon, on arrive à avoir presque une maison correcte. Et est-ce que le truc, je vais pouvoir le laisser là? Je vais le bouger quand même. Je vais le mettre là dehors et je vais... J'ai pas d'obligation pour ce qui est du sol. Donc on va compléter le sol comme ça. Voilà, comme ça nous avons une maison quasiment... Eh bien, plutôt pas mal, quoi. Ça va manquer un tout petit peu de une et deux portes. Une troisième pour aller ici. Mais on y arrive, on y arrive. Ça va le faire, ça va le faire. C'est mignon tout plein, ça. En attendant que le repas cuise, on fait quelques petites sculptures de sable ensemble. En même temps, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. On s'occupe comme on peut. Et puis, c'est bien qu'elle prenne un peu de temps avec son fils, hein, quand même. Vu qu'elle n'a que lui au monde, je préfère le rappeler. C'est déjà assez triste comme ça. Oh là 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 là. Oh le BG. Bonjour monsieur. Comment ça va? Tu peux lui parler genre normalement? Tu vas lui complimenter sa tenue parce que bon, il est tellement bien habillé, hein monsieur. Oh ses abdos. Oh ses abdos de folie. What? Ah, c'est trop bien, elle est déjà au niveau 4 de la compétence peinture. Alors, compétence peinture au niveau 4, ça nous débloque normalement. Puisque je l'ai déjà en bricolage et en jardinage, j'ai droit maintenant au tissu de couleur et les vêtements. C'est cool, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on pourra avoir des lits avec des couleurs, des vêtements avec de la couleur, tout ça, quoi. Ça va être super. Du coup, on avance tout doucement, mais sûrement, on débloque de plus en plus de choses. Ouais, bon, il faut quand même que tu pêches un petit peu parce que au moins qu'on atteigne le niveau 6. Ah bah ouais, on y est. On y est au niveau 6. Voilà! Ah, je suis fière de toi, ma petite Jessie. C'est très bien. Allez, allez! Oh, tu peux appeler un dauphin! Oui, tu peux appeler un dauphin! Toi aussi, tu peux appeler un dauphin. Venez ici, les enfants. Ah, il est temps quand même. Effectivement, vous m'aviez dit qu'il fallait... trop cool, parler à dauphin. Qu'il fallait tourner autour de la bouée quand il y avait des poissons et des tourbillons de poissons. Et ben ça y est, maintenant. Nous avons notre premier dauphin. Mais parle-lui! Parle à dauphin! Mais qu'est-ce que tu nous fais, Jessie? Tu fais de la merde. Toi aussi, t'appelles un dauphin. Allez. Voilà, il y a un dauphin qui est là, les enfants. Parle à dauphin. Arrête d'avoir la gerbe, là. Tu casses les burnes. Tu casses les pompons. Oh non, mais elle est en train de tout gâcher. Écabousser. Non. Alors ça, je suis sûre que tu vas le faire. Non. Toi, tu peux parler à dauphin. Observer le dauphin. Ah, tu peux lui donner un poisson rouge à manger. Ah bah non. Bah d'accord. Ok, très bien. Ça ne fonctionne pas trop. Elle est chiante, là. Faut attendre que ça s'en aille et ça devrait aller mieux. Ça y est, ça marche. Nous avons enfin un dauphin à qui parler. Ah, ça, c'est cool. Oui, je sais vachement bien faire le dauphin. Lol. Bah, regardez qui est passé à la maison.
Hein? Vaïssa est passée à la maison. Donc, bah, du coup, lui, il va lui discuter avec elle. Juste comme ça, histoire de faire connaissance. Sait-on jamais le futur, qu'est-ce qu'il adviendra? Toi, t'es parti prendre une douche? D'accord, très bien. Tu iras me faire un petit pissou aussi ici. Tu me vendras cette fabuleuse petite toile. Voilà. Et puis, on va pouvoir refaire à manger. Hein, parce que forcément, nous n'avons pas de frigo, du moins pas encore. Donc, bah, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Le repas de ce soir est médiocre pour changer. Alors, ma petite Jessie, c'est pas encore maintenant qu'elle a appris à faire de la bonne cuisine. Hein, donc, oh là là, c'est vous n'êtes pas en super bon état, les enfants. En tout cas, toi, après, t'iras te coucher, hein, tranquillement. Et lui, il ira se doucher et dormir aussi. Comme ça, on passera à une nouvelle journée. Il sera un petit peu enveloppé, je pense, lui, quand il va grandir. Parce que malgré tout, il a l'air de bien manger sur cette île déserte et abandonnée de tous. Oh non, il m'a cassé la baignoire douche. Ouais, mais c'est pas grave, le plat, il a pourri entre-temps. Ça te nourrira quand même, mon petit. Et puis, si tu veux, tu pourras manger une petite noix de coco, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, Jessie? Ouais, ah bah, elle veut jeter. Elle est comme ça. Tu pourras du coup réparer ça après. Ce serait cool. On va peut-être passer, je pense, à la petite décoration du jour. J'ai donc construit les murs 1, 2, 3, 4. Donc ça, on est d'accord. On est à 4 murs pour cette espèce de future toilette. Et le dernier mur est ici. Voilà. Je vais le faire aussi de l'autre côté. Ce sera bien. Et du coup, je vais choisir l'objet du jour. Ce sera une porte, pas la porte. Laquelle, bien sûr, autant se faire plaisir. Ah, je voulais prendre celle-là. Ah bah, tant qu'à faire, les enfants, on va pas se... Hein? Voilà, j'ai envie de dire, l'objet du jour, il est là. Une magnifique porte-fenêtre qui va bien. Oh mince, ça m'a fait sauter le sol. Oh, mais zut alors. C'est pas grave, on va reprendre ça et on va le mettre dans toute la maison. Bah oui, parce que maintenant que la pièce est fermée ici, ça comprend la chambre avec. Prochaine étape, c'est de fermer la chambre et d'avoir une porte pour la chambre. Et là, on arrive vraiment à une maison pleine de bonnes choses. Allez, on continue. C'est bien, mon petit Greg. Oh là là, j'avais pas vu qu'il était tout zébré, le pauvre chou. Oh là là. Bon, il est en train de faire débarrasser toutes les l'océan de ses saletés. Il y a un truc là, mon petit. Pourquoi tu retournes par là? Lui, il nettoie l'océan. C'est comme ça, hein. C'est... Ah, ça y est, il y va. Tant qu'il se noie pas. Oh là là, collision! Collision! Non, ça va. Ça va. On fait pas attention à cette personne et on va nettoyer là. Oh, après, tu retourneras quand même sur Terre, hein, parce que sinon, ce serait dommage. Que tu te noies. En plus, t'as la tête à moitié dans l'eau à chaque fois. Donc, mais il nettoie, donc c'est bien. Oh, mais ça, c'est la dernière sirène qu'on n'a pas vue, qu'on ne connaît pas. Elle a dégaine, la démarche qu'elle a. Donc, s'il te plaît, tu peux venir lui dire bonjour. T'es pas trop trop loin. Parce que comme ça, on connaîtra les six personnages. Salut, je m'appelle Greg. Et, je suis née sur cette île bizarre. Et toi aussi, t'es remplie d'écailles. Dis, tu connaîtrais pas Vaïssa et Ur et tout ça, tout ça? Parce que tu m'as l'air d'être un peu bizarre comme personnage. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Pendant ce temps-là, notre Jessie nationale continue de bricoler. Oh! On va arriver au niveau 8 du bricolage. Ah, oh, ça, c'est cool. Vas-y, tu me valides ça. Et on va passer un peu à faire autre chose parce que la pêche, t'es à peine à 6. Tu me l'as même pas validé. Allez, allez, me fais-moi un petit tabouret histoire que tu me valides le niveau. La peinture, on est au niveau 4. Le jardinage, on est presque au 7. Et le fitness, il faut qu'aussi que je bosse le fitness puisqu'il faut atteindre le niveau 6 de fitness pour débloquer les canoës. C'est une condition, voilà, à faire. Donc, il faut y arriver. Ah! La grosse mygale! Ah non, j'espère que tu vas pas te faire mourir encore une fois, hein? Non, 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 se fait pas par une araignée. Ah, ma pauvre biche! Ma pauvre biche!
Tu peux refabriquer le tabouret, s'il te plaît? Je suis horrible, je suis horrible, je sais. Va me dire. Ah, ça y est, niveau 8, j'avais pas fait gaffe qu'elle nous avait validé le niveau 8. Bon, bah, tu me finis ça. Il est 20 h. Vous avez un peu faim, peut-être? Ouais, toi, tu peux rentrer à la maison, s'il te plaît. Tu seras un amour, tu viendras te doucher. Et on va peut-être avancer, faire à manger, tout ça. Il faut, ouais, je pense. Bon, le repas est prêt, mais le petit Greg a oublié d'aller aux toilettes. Jessie est encore en train de faire un petit footing. Oh, oh là là, oui, ça commence à plus aller bien. Tu vas vite rentrer après à la maison, hein? En tout cas, bon, elle a envie de courir, ça lui fait plaisir. Est-ce que tu vas faire peur aux... Ah oui, ils se sont quand même barrés. Ah, ça va, elle est dégueulasse. Oh, ma belle, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas en profiter pour prendre une douche ici. Allez, tu vas te prendre une bonne petite douche toute nue. Tu peux pas encore faire pipi. Oh, c'est ouvert maintenant ici, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, j'essaie de nettoyer quand même de temps en temps tout ce qui traîne. Alors pourquoi ici c'est vert? C'est pas cool, hein? C'est pas cool. Mais t'es où, Jessie? Pourquoi t'es remontée? Oh, punaise, t'es remontée là-bas? Allez, va te prendre une douche. Ça va te faire du bien. Voilà. Il n'y a personne pour te regarder. Si tu peux après aller nager et faire pipi dans l'eau, ce serait cool aussi. Et en attendant, le petit... Mais non, mais dors pas, mon petit. Le repas est prêt, tu peux le prendre. Vas-y, tu peux le prendre. Voilà. Et manger. Un petit peu. Ouais. Et après, t'iras te coucher. Parce que comme t'es malade, on peut pas faire autrement. Et il y a dû se faire piquer aussi, démangeaisons. Voilà. Au saumâtre. Ah bah oui. Bah. Excuse-toi, petit chou. Ah bah, tout à l'heure, il était zébré. Maintenant, il a des pois. Un petit chou qui grandit sur une île paradisiaque. Hein? Oui, bon, certes, c'est pas facile tous les jours avec les bestioles. Mais quand même. Hein. Mais non, il s'est pissé dessus. Ah oui, oui, alors t'es contente, mais tu repues. Arriver si près du but, viens te laver un petit peu quand même à la maison. Et tu viendras manger là, parce que ça ne va plus du tout. Ça ne va plus. Mais en tout cas, tu vas pas aller au lit comme ça dégueulasse. Hein. Les draps, on n'a pas de machine à laver ici, hein, donc tu pourras pas. Faut faire attention. C'est pas grave, personne t'a vu. Chut, on dira pas qu'elle s'est pissée dessus. On dira pas. Donc j'ai fermé enfin l'espace chambre. Donc je vais le mettre tout de suite à la bonne couleur. Donc ça fait un mur. Et j'ai fermé aussi l'espace du futur toilette. Donc deux murs. J'en ai utilisé que trois murs aujourd'hui. Parce que je pense que ma maison est déjà bien faite pour l'instant. J'ai pas besoin de plus. Et juste histoire de, je vais mettre donc une porte. Et autant se faire plaisir avec une porte de Soulanie, bien sûr. Avec le bon coloris. Et nous aurons une chambre fermée. Voilà, c'était les petites modifs du jour. On commence à faire quelque chose de plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai changé le toit un peu parce que ça faisait vraiment pas joli. Donc le toit est comme ça maintenant de la maison. Et les futures toilettes a un minot toit comme ça. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de porte. Ça sert à rien. On n'en a pas besoin. Mais la maison commence à avoir un peu de gueule. Tout petit peu de gueule. Bon, bah, il est encore bien zébré ce petit, hein. Ça se voit, il est un peu hystérique, mais... tu sais ce que tu vas faire, mon tio? Au lieu de jouer un petit peu, tu vas aller te faire une petite sieste. Parce qu'en général, ça les guérit, tout ça. On peut pas... Bon, là, il est malade, mais il n'est pas malade non plus à mourir. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le sauvé. Bah, comme Jessie la dernière fois, hein, là, c'était un peu compliqué. Tu vas te lever quand même, cocotte, les 10 h 30. Histoire que... Voilà. Tu vas aller te prendre une petite douche rapide et tiède. Oui, on va t'occuper, t'inquiète pas. Tu vas t'occuper. Est-ce que ça, c'est encore bon? Combien de temps? Ouais. Je suis pas sûre qu'elle ait le temps de manger. Mais tu vas t'occuper. Après, tu pourras malaxer de l'argile. Pourquoi pas? Ah! Ça a lieu de se faire. Ah! Les bestioles! Ah! Mais elle est énorme! Elle lui reste dessus! Pauvre choupi! Pauvre petit! Ah, mais c'est à chaque fois qu'ils sont en train de dormir ou presque. Hein. Mais elle reste accrochée! Ah bah voilà. En plus, il venait juste de... il venait juste de se guérir, regardez. En fait, se débarrasser d'un rhume. Et puis, paf, allez, il s'est fait piquer. Oh, pauvre petit chou, Eva. Pourquoi pas profiter de ce beau temps aujourd'hui d'automne? Pourquoi t'es vénère, Jessie? Ah, tu manques ouais, de divertissement. Elle essaie de lui apprendre à dire pardon. Je pense que c'est en plus un peu un objectif.
du challenge pour lui apprendre des bonnes choses en fait à son enfant. Donc bah, voilà, on va essayer de lui faire apprendre ça, quoi. D'accord, je suis pas sûre qu'il soit très content. Ah ouais, ça l'ennuie. Oh là là, quel petit con. Mais dis donc, c'est qu'elle t'aime bien celle-ci. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mal à l'aise avec les inconnus. Les Sims Potcall, mais t'es pas Potcall? Tu n'es plus Potcall. Puis t'as jamais été Potcall. Ah, il est en ce moment en Potcall, phase de l'enfance, d'accord, ok. Mais elle t'aime bien, je crois. Donc, bah, profites-en un peu. Plaisante sur les éléphants, discute, tout ça. Décrire la mine imaginaire, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu commences à avoir faim, mon petit, encore. Oh. Allez, noix de coco. Tu vas manger de la petite noix de coco. Par contre, faculté sociale 9 quand même. Hein. Il se débrouille bien, le petit. Hein. Tranquille. Hein. Oh bah, oh. Oups. Pendant ce temps-là, notre Jessie est de l'autre côté de la plage en train de faire une petite toile. Alors, je lui ai fait prendre ça, là. Ah, avec la lune, c'est encore plus joli. Bon, hein, y a pas de mer dessus. Hein, c'est le volcan et un palmier. Parce qu'il se faisait un peu tard et c'était un peu dommage. Qu'est-ce que c'est que ce gros poisson-là? Ah ouais, quand même, je l'ai vu de loin celui-là. Ah bah, il a disparu! Ok, très bien. Bon, en tout cas, elle va mieux maintenant. Qu'est-ce qu'elle a? Aspirée par les nuages, ouais, parce qu'elle était un peu stressée par beaucoup de choses, mais là, ça va mieux. Divertissement, pas forcément au top, mais bon. On fera avec. Ouais, elle est pas GG, hein, ta truc, hein. Tu peux la mettre quand même dans l'inventaire. Tu mets ça dans l'inventaire. Voilà, et on va rentrer tout doucement à la maison. Allez, le dîner est prêt. Vous allez pouvoir manger un petit peu avant d'aller vous pioter. Enfin, le petit, il est en forme quand même un petit peu. Alors, ce soir, c'est du poisson, mon petit. Je sais que tu vas faire la tronche, mais en même temps, il faut manger. Et qu'on a plein de poissons dans l'inventaire, et on en aura encore plein, puisqu'il faut pêcher et arriver au niveau 10 de la pêche. Donc pour l'instant, on va manger du poisson, quoi. Ouais, on n'a pas beaucoup, beaucoup avancé, quoi. Après, ma Jessie, tu iras au lit tranquillement et habilement dormir. Ah, c'est toujours aussi dégueulasse? Bah écoute, ouais. Pas de chance. Ah ben oui, un petit tour au jardin. Les ananas qui ne donnent pas d'ananas normal, vous allez me dire, c'est pas la période. Sauf que ben, ils continuent d'en donner à l'état sauvage. Donc ça me juste voilà, je me pose un peu la question. Mais sinon, ah ben ça va, tu t'arroses tout d'un coup, toi. Ah ben voilà, ça flotte. Ah ben zut alors. C'est pas cool ça. Au niveau du manger, c'est bien, tu vas retourner manger un coup. Et puis tu vas bricoler, hein, ma belle, du coup, hein, on va continuer à faire du bricolage, histoire de ne pas perdre la main, histoire d'arriver au niveau 10 pour avoir des toilettes, par exemple, ce serait plutôt cool. Et puis tout ça, quoi. En objet du jour, j'ai donc installé cette chaise que Jessie a créée pour commencer à avoir un peu de confort à l'intérieur de la maison. Pour s'asseoir et manger tranquillement à table, par exemple, c'est plutôt une bonne chose. Alors, le petit, il est parti Greg explorer une partie non répertoriée de la grotte quand il est tombé sur un spectacle magnifique, quoique un peu troublant. Des milliers de larves brillantes recouvraient les murs de cette grotte secrète. Alors que Greg hésitait entre profiter du spectacle ou partir, un tas d'insectes grouillants lui est tombé sur la tête. Ah zut! Le spectacle de Greg courant dans la grotte avec des insectes tombant de son cuir chevelu a dû être inoubliable, même si, malheureusement, personne n'était là pour y assister. Pauvre chou! Alors, tu vas sûrement pas faire de bêtises après. Tu viendras manger. Ouais, il reste encore de quoi manger tout ça, donc c'est bien. On va pouvoir s'occuper comme ça. Bon, après, il pleut pas encore trop fort, donc c'est agréable, mais on va toujours occuper ces petits, nos petits Sims. Chanson enchanteresse. Nos chansons enchanteresses a soudain résonné dans les passages sinueux de la caverne, poussant Greg à chercher la source de cette harmonie envoûtante. Juste après un virage, il a aperçu au loin une sirène perdue dans sa propre mélodie. À la fin de la chanson, Greg a applaudi la sirène qui lui a fait un petit signe de la main avant de retourner dans l'eau à proximité. Greg a fredonné la chanson pendant tout le reste de son exploration. Eh bien, dis donc! Ce n'est pas une des sirènes qu'on connaît. Bon, bah écoutez, en tout cas, on n'en connaîtra pas plus. Pas une de plus, je veux dire. On est au bord du bord de passer au niveau 7 du jardinage. Donc on va pas se faire prier. Tu vas faire quelques recherches quand même.
Voilà, on s'en fiche, tu fais des recherches, tant que ça te fait travailler ton jardinage. Oui, ça le fait travailler. Attention, attention, les enfants, nous allons passer au niveau 7. Attention, oui, niveau 7 de jardinage, ça c'est cool. Il y a des poissons, il y a des poissons, il y a des poissons. Tu es ici, viens. Vite, 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 vite. Oh, mais arrête, on s'en fiche. Appelle un dauphin. Voilà. Le dauphin. Le dauphin. Parle à dauphin. Caressez dauphin. Parle à dauphin. Petit poisson. Voilà. On va avoir un dauphin copain. Un copain dauphin. Ah, il serait temps parce que franchement, là, ça a toujours été un peu galère. La dernière fois, j'arrivais pas à trouver, mais comment me faire un ami? C'est bien. Demandez un tour. Danse. Allez, qu'on rigole un petit peu. Qu'on voit à quoi ça ressemble. Ah! Ouais, il a attrapé les petits poissons. Ah, c'est trop mignon. Sachant qu'il faut, pour le défi, avoir deux amis poissons. Poissons, dauphins. Poissons. Enfin, c'est un poisson aussi, hein. Bon, bref. Il en faut deux, donc autant commencer maintenant. Il est où? Il est parti? Oh, il est parti! Il est parti, les petits dauphins. Oh, il est parti. On peut rien faire avec le dauphin. Tu peux. Ouais, non, ils sont partis. Bah écoute, tu peux rentrer à la maison. En plus, ça flotte, donc bon, ça risque d'être complicado quand même. Donc, on va rentrer. Greg, il est là. T'as faim? Est-ce que tu peux préparer un festin avec des légumes? Ce sera bien. Est-ce que lui, il a faim aussi? Oui, comme ça, il y aura au moins deux repas d'utiliser. Oh, tiens, un lama en argile, magnifique. Superbe. C'est le plus beau des lamas d'argile. Qu'est-ce qu'il a? Jouer sans penser, jouer avec un jouet. Oui, d'accord. Voilà, ma jolie. Est-ce que tu peux fabriquer un meuble, une petite décoration murale, pourquoi pas? Autant mettre à profit le mauvais temps et pouvoir avancer dans ta capacité, ton bricolage. On est quand même niveau 8, donc on est vraiment très bien. Je rappelle qu'au niveau 10 du bricolage, je pourrais débloquer les toilettes et le frigo. Donc en fait, c'est quand même très, très intéressant d'y arriver. Allez, c'est l'heure du repas. Mais Greg, pourquoi tu gardes pas tes jouets sur toi? Pourquoi tu fais un malin plaisir à m'embêter moi et à pas mettre les trucs dans ton inventaire personnel? Alors, t'es d'humeur joueuse. Est-ce que tu pourrais parler, faire une grimace à ta maman, par exemple, raconter une histoire inventée? Après, tu vas parler comme il est joué. Je veux dire, tu sais très bien dans quel merdier on est, donc ça m'étonnerait que tu réclames des jouets, mais bon. C'est vrai qu'il va peut-être manquer de lumière un jour. Je sais pas si on a droit à la lumière. Je pense que des bougies ou des trucs comme ça, peut-être, ça va s'autoriser. En tout cas. Ouais, elle est joueuse aussi. Il y a une décoration joueuse, apparemment. Je ne sais pas quoi, mais décoration joueuse dans la maison. On est d'accord, c'est très bizarre. Oh la vache! Il m'a quand même fait un niveau 10 en faculté sociale, le petit, hein. Mais c'est une bonne patte, il est gentil. Tu iras te prendre une douche, allez, tu iras te coucher. Et elle, eh bien Jessie, tu iras te coucher tout simplement, hein. Nous sommes une nouvelle journée, mais je pense que la nouvelle journée, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, regardez-moi cette petite maison quand même qui ressemble à quelque chose. Plus ou moins, hein, avec la petite toilette qui est là-bas au fond. C'est pas encore Byzance, mais c'est vivable. On se débrouille entre le barbecue, le lit et l'espèce de baignoire douche un peu bizarre, mais on y arrive, on y arrive. Allez, tu vas aller te doucher et te coucher. J'espère en tout cas que ce petit épisode de Voyage Surprise vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like si vous a plu, si vous avez quelque chose à rajouter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et ce sera avec plaisir que vous partagiez aussi ma chaîne à vos amis si l'envie vous donne. Si vous l'envie vous vient, on va dire plutôt. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Voyages Surprises ou d'autres choses. Allez, salut!